Que tu es sous un pommier. Ah oui, Didou. Oh, regarde, il y a une drôle de pomme. Ce n'est pas une pomme, Yoko, mais une balle en caoutchouc. Mais à qui cela peut bien être? Allons voir par là. Bonjour. Bonjour. Bonjour, moi c'est Yoko et mon grand ami, c'est Didou. Vous avez trouvé ma balle? Oui, laisse-moi deviner. Avec toutes ces balles, tu étais en train de jongler. Tout à fait, c'est ma passion. Tu es un artiste alors? Waouh, génial! Tu pourrais nous faire une démonstration? C'est que je n'ai jamais jonglé devant les gens. Mais pourquoi? Je crois que notre ami l'ours a le trac. Cela veut dire qu'il a peur de se donner en spectacle devant un public. Tout ce qu'il faut faire, c'est se lancer. Donne-moi une balle. Regarde. Oh, je joue à la funambule. Youhou! Tu vois, pour ne plus avoir le trac, il faut se lancer sans se poser de questions. Oh là là, oh, aïe. Je veux bien essayer. Tiens, Didou, tu veux bien être mon assistant? Avec plaisir. Hop, avec 3 balles. Hop, avec 4. Hop, avec 5. Hop, 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 hop. Et voilà. Bravo. Hourra, c'était génial. N'est-ce pas, les amis? Oui! Tu es vraiment très doué. Que dirais-tu de faire un spectacle? Un spectacle? Mais je n'ai aucun endroit où présenter mon numéro. Yoko, je crois que notre ami a besoin de notre aide. Oui, il lui faudra un lieu où faire son numéro. Comment on dit déjà? Un chacha, un chipo? Un chapiteau. Oui, nous allons construire un beau chapiteau pour notre ami. C'est quoi un chapiteau? Tu vas voir. Un chapiteau, c'est une grande tente sous laquelle on peut présenter des spectacles. Et on y accueille du public. C'est beau. Alors, les amis, vous voulez bien nous aider à construire un chapiteau? Oh oui! Allons-y! Caisse à outils! Ah! Ah! Pour construire un chapiteau, il faut d'abord installer la piste et les gradins pour les spectateurs. Les spectateurs? Oh, j'ai le trac! Puis, au milieu de la piste, le grand mât central. Il doit être solide, car c'est sur lui que repose toute la construction. Et on dit qu'il est central, car il est... au centre! Maintenant, on plante 4 piliers plus petits. Ils serviront à soutenir la tente. Ensuite, on dispose une toile tout autour pour faire les murs. Tu m'aides à dérouler la toile? Oui, bien sûr. Puis, on installe la partie de la toile qui fait office de toit. Il faut lier le toit à la toile des murs. Yoko, c'est un travail pour toi. Bien sûr, Didou. Les attaches, c'est ma spécialité. Et d'un. Et de deux. Et de trois. Et hop. Avec de bons nœuds, le toit ne bougera pas. Bon, je continue. Didou, tu vas drôlement vite. Une fois le toit et les murs réunis, nous aurons un beau chapiteau. Mais s'il y a du vent, la tente va s'envoler. Ne t'inquiète pas, car nous allons la fixer avec des piquets et des cordes. Tiens, tu auras besoin de ça. C'est un maillet. À vous de jouer! Et un piquet enfoncé, un! Encore une corde, s'il te plaît! Et voilà! Merci, Yoko! Oh là là, je peux plus! C'est terminé! Je crois qu'on oublie quelque chose. Les drapeaux, voyons! Ah
Ah oui! Les amis, combien faut-il de drapeaux à votre avis? 5! Oui, un pour chaque pilier. Oui, je m'en occupe! Un, deux, trois, quatre et 5! Et voilà! Cette fois, ton chapiteau est prêt à être inauguré. Il est vraiment grand! Comment va-t-on le remplir de spectateurs? On s'en occupe! Dans 5 minutes, il sera plein! Top chrono! Oyez, oyez, mesdames et messieurs, venez assister au plus grand spectacle de jonglage de la forêt! Un numéro époustouflant que vous n'êtes pas prêt d'oublier! Monsieur Ours et son fabuleux spectacle vous attendent sous son magnifique chapiteau! Allons-y! Vite, j'adore les numéros de jonglage! Je vais être aux premières loges! Ne vous inquiétez pas, il y aura de la place pour tout le monde! On va faire salle comble! Oh, je sens que je vais avoir le trac! Mais non, n'oublie pas mon conseil! Il suffit de se lancer et tout ira bien! Mesdames et messieurs, vous l'attendez tous! Merci d'applaudir le grand, l'unique... Monsieur Ours le jongleur! Oui! Hop! Avec trois balles! Hop! Hop! Avec 4! Hop! Avec 5! Hop, 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 hop! Et voilà! Merci! 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 Wow! Merci. Il a réussi! Quel talent! Oui, Monsieur Ours va devenir un artiste célèbre dans la forêt. Au revoir, les amis! Et à bientôt! Au revoir, Didou! Au revoir, Yoko! Bonjour Didou! Bonjour Yoko! Bonjour les amis! Avec Didou, on fait une super balade à vélo! Moi j'adore quand ça va vite! Nous aussi Yoko! Maman, on peut ouvrir nos cadeaux maintenant? Attends Didou! Allez! S'il te plaît! Moi j'adore les anniversaires! Mais oui mes chéris, allez-y! Oui! Oui! Des cadeaux? Je me demande ce que c'est! Oh, merci, maman! Des skateboards! On va tout de suite les essayer dans la rue! Minute, mes petites marmottes! Vous ne pouvez pas vous entraîner dans la rue, c'est dangereux à cause des voitures! Alors on en fera sur le trottoir! Sur le trottoir, il y a des piétons, vous allez blesser quelqu'un! Mais on ne pourra jamais utiliser nos skates alors! Je suis vraiment désolée, mais j'avais pensé que vous pouviez en faire dans le jardin! Dans le jardin? Mais un skate, ça ne roule pas sur l'herbe! Et puis c'est tout plat, il n'y a même pas de bosse! Oh non! Didou, on peut les aider? Trop triste! Coucou! Les amis, vous allez pouvoir utiliser vos skates et même faire toutes les figures que vous voulez. Mais où? Dans votre grand jardin, sur la rampe de skate que je vais vous construire. Une rampe de skate? Mais c'est quoi ça? Didou va vous expliquer! C'est une construction sur laquelle on s'élance avec son skate. Grâce à la rampe, on peut prendre son élan pour faire des figures. Et on peut les enchaîner comme ça! Construis-nous une super rampe de skate! Les amis, vous voulez construire une rampe de skate avec nous? Oui! Alors, c'est parti! Qu'est-ce à outils? Je reviens tout de suite! Où est Didou? Il est allé chercher... Tada! Oh! Une mini-grue! Tout d'abord, il nous faut 2 grandes pièces de charpente en bois. Oh! Oh là là! Elles donnent sa forme à la rampe. Et comme elles sont très lourdes, j'avais besoin de notre machine. Vas-y, Didou! Bravo, Didou! Et stop! Oh! Il y en a un deuxième! Oh! Je m'en occupe! Et hop! Hop! C'est bon, Didou! Un peu plus près. Stop! C'est parfait! Maintenant, il faut continuer la courbe des charpentes avec des rails de bois posés sur le sol. Je viens t'aider, Didou. Nous aussi. D'accord, les amis. Un... À toi
de jouer, petite marmotte. Et le prochain, vous viendrez le placer à côté d'une autre. Voilà, comme ça, les uns bien à côté des autres. Parfait, maintenant les longerons. Et comme ce sont eux qui vont maintenir toute la structure de la rampe, ils doivent être très solides et très souples en même temps. Attention, poussez-vous, hop. Chaque longeron à sa place. Didou et moi, on se charge de les fixer. Un. Merci, Yoko. Deux. Trois. Maintenant, nous allons poser un plancher tout lisse pour que vos skates puissent glisser facilement dessus. Écartez-vous, c'est très lourd. Et voilà un beau plancher. À toi, Yoko, libère le plancher. Et zip, et zoup. Wow. Et un plancher parfaitement collé. Pour monter sur les plateformes, il nous faut des échelles. Sur les plateformes, nous allons installer des barrières. C'est important la sécurité, n'est-ce pas, Madame Marmotte? Oh oui. Je m'occupe de les visser. Et enfin, pour compléter la rampe de skate, il ne nous manque plus que la grande barre métallique de chaque côté pour faire encore plus de figures. On peut glisser avec son skate sur ces barres. Je connais, c'est une super figure. Voilà, votre rampe de skate est construite. Merci, Didou. Merci, Yoko. Ça nous fait deux cadeaux, alors. Maman, on peut l'essayer? Mais oui, mes petites. Oui. Youpi. Je vais vous montrer comment on fait. Et ça va être très, très rigolo. C'est parti. J'adore quand ça va vite. Hop là. Un style inimitable. Et voilà. Superbe, Yoko. Merci beaucoup. À mon tour de vous faire une démonstration, si vous voulez bien prêter un skate. Bien sûr. Merci. Youhou. Wow. Bravo, Didou. Vous avez vu, c'est facile. Allez, les marmottes, à vous, amusez-vous. Allez, j'y vais. Youhou. Wow. Qu'elles n'avaient pas besoin d'exemple. Elles sont douées, les sœurettes. Bravo, les sœurs marmottes. Mes petites marmottes, vous êtes de vraies championnes. Merci, Didou et Yoko, d'avoir offert un si beau cadeau à mes petites. Avec plaisir, Madame Marmotte. Joyeux anniversaire, les sœurs marmottes. Oh, merci. Merci. Et si on allait goûter votre gâteau d'anniversaire? Oui, oui. Yoko, il est temps pour nous de continuer notre promenade à vélo. Au revoir, les amis. Et à très bientôt. Au revoir, Didou. Au revoir, Yoko. Avec Didou et Yoko, construire c'est trop rigolo. Prends ta boîte et tes outils pour aider tous tes amis. Pour aider tous tes amis. Attrape-moi si tu peux, Yoko. Touché. Maintenant, c'est toi le chat. Bonjour, les amis. Aujourd'hui, on joue à chat. Avec mes ailes, je suis imbattable. Cette fois-ci, je vais te toucher. C'est reparti. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Chat, touché, Yoko. Oh non, Didou, c'est pas du jeu. J'ai été déconcentrée par ce ballon. Bonjour, les amis. Bonjour. Bonjour, Mlle Fennec. À quoi tu joues? Je m'amuse à faire rebondir mon ballon contre les arbres.
Il rebondit super bien. Regardez comme je suis à droite avec. Hop. Et hop. Waouh. Tu es douée, bravo. Oui, mais bon, jouer toute seule, c'est un peu ennuyeux. Mais, Mademoiselle Fennec, on peut jouer avec toi si tu veux. On pourrait jouer ensemble. Génial. Oui, mais à quoi? Au basket, par exemple. Comme ta balle rebondit bien, le basketball serait le jeu idéal. Le basketball? Jamais entendu parler. C'est un super jeu d'équipe, pas vrai, Didou? Tout à fait, Yoko. Il se pratique avec un panneau et un panier. Et il faut envoyer le ballon dans le panier pour marquer des points. Attends, tu vas voir. Le panier est composé d'un anneau et d'un filet. Il est fixé sur un panneau tout en haut d'un pilier. Oh, mais ça a l'air génial comme jeu. Les amis, vous voulez nous aider à construire un panneau de basket? Oui. Allons-y. Caisse à outils. Pour construire un panneau de basket, il faut d'abord un socle. C'est une pièce sur laquelle reposeront les autres parties du panneau. Vissons le socle solidement au sol. C'est très important pour que le panneau ne tombe pas. À moi, Didou. Voilà. Regarde, Didou, il y a un trou dans le socle. C'est pour le pilier? Exactement, Yoko. Aide-moi, Mademoiselle Fennec. Tout de suite. Allez, allez, allez. Allez. Voilà, parfait. Dessus, nous allons fixer... Laisse-moi deviner, c'est maintenant qu'on installe le panneau. Bravo, Mademoiselle Fennec, tu as bien deviné. Je te fais la courte échelle, Didou. Merci, Mademoiselle Fennec. Mais nous allons utiliser deux échelles pour porter ensemble le panneau jusqu'en haut. Yoko, quand nous l'aurons placé, tu visseras, s'il te plaît? Oui, Didou, c'est une mission de confiance. C'est plus pratique, en effet. Yoko, tu peux fixer le panneau? C'est fait! Merci, Yoko. Oh, l'anneau! Il est tout rond comme mon ballon. Oui, il y a juste la place pour faire entrer ton ballon. Et enfin, je noue le filet à l'anneau. Il faut bien attacher les nœuds. Alors, on le fixe, cet anneau? J'arrive, Yoko. À toi de jouer. Attends, je fais le tour. Dis, Didou, c'est normal qu'il soit si haut, le panier? Oui. Avec un panier en hauteur, marquer n'est pas facile. C'est tout l'intérêt du basket. Voici le panneau de basket prêt à l'emploi. Et si on commençait notre partie? Ah oui! Chouette alors! Attention, il y a des règles. Yoko, tu fais l'arbitre? Oui! C'est parti! Les amis, vous savez avec quoi l'arbitre se fait entendre? Oui! Avec un sifflet! Bien deviné, les amis! L'arbitre siffle pour donner le départ et la fin du match. Mais aussi pour signaler les fautes des joueurs. Attention! C'est parti! Attrape! Et hop là! Admirez le jonglage! Oh, j'ai commis une faute? Oui, Mademoiselle Fennec! Le basket ne se joue pas au pied, mais à la main! Ah d'accord, j'ai compris! C'est reparti! Oh! À moi le panier! Hein? J'ai encore fait une faute? Règle importante, Mademoiselle Fennec! Au basket, il faut toujours faire rebondir le ballon quand on se déplace. On appelle ça dribbler. Dribbler? Oh, c'est drôle, ça! Je dribble! Allez, c'est reparti! Je dribble près du panier, je vise et je tire! Oh, zut, raté! Dis donc, c'est pas facile, hein? Mais si, Mademoiselle Fennec! Pour marquer plus facilement, tu peux aussi sauter! Regarde, je te montre! Panier pour Didou! Bravo, c'était super! À ton tour, Mademoiselle Fennec! Quel spectacle, cher public! La grande basketteuse dribble en contournant l'adversaire. Rien ne peut plus l'arrêter! Attention, la voilà qui s'avance, elle bondit et elle marque! Youpi! Ça y est! J'ai réussi, j'ai réussi! C'est un super panier réalisé par Mademoiselle Fennec! Hurrah! Merci les copains! Grâce à vous, j'ai découvert un jeu fantastique! Bonjour!
On a trouvé votre ballon. Dites, il a l'air bien votre jeu. On peut jouer avec vous? Bien sûr les amis, on peut très bien jouer à 4. La règle est simple. Il faut faire entrer le ballon dans le cerceau. Et on peut se faire des passes. Mais juste avec les mains, hein, et en faisant toujours rebondir la balle. N'est-ce pas Yoko? Tout à fait. Attention, début de la partie. La passe, la passe. Oui, vas-y. Au revoir Didou, au revoir Yoko, et bonne partie de basket!